Yacine El Ghanassi, d'abord bienvenue au stand. Oui, dis-moi pourquoi tu as choisi au stand? Déjà parce que voilà, je voulais rentrer en Belgique et je sais qu'Ostend c'est un club qui est ambitieux et on a discuté avec le président et avec le staff et avec Monsieur Luc Devrault. Et quand ils m'ont fait part du club et surtout des ambitions du club, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a surtout tranché de choisir Ostend. Parce qu'il y était aussi des équipes en France qui étaient vraiment intéressées. Hein. Oui, on avait des équipes avec mon agent, on avait des équipes en France, en Turquie. Je pouvais encore rentrer dans les pays arabes, mais voilà, je voulais revenir près de ma famille et je voulais surtout, parce que je sais qu'Ostend vise quelque chose cette année et je pense que on peut le faire et j'espère qu'avec moi ça pourra le faire. Tu as joué pour Stabæk. Raconte-moi un peu, c'était comment là-bas? Bah, c'est un championnat qui est basé sur le physique, donc on va dire que je ne suis pas dépaysagé par rapport à ici. Et voilà, j'ai fait une bonne saison, j'ai terminé meilleur donneur d'assist du championnat avec 17 assists, plus 4 buts, donc je pense que voilà, j'ai fait une bonne saison et j'espère continuer comme ça ici à Ostende. Ah, en Belgique, bien sûr, les supporters te connaissent de ta période à Gand. C'est quoi la différence entre le El Ghanassi de Gand et le El Ghanassi maintenant en Ostende? Mais c'est sûr que j'ai une période à Gand où c'était au top, donc on va dire qu'il y a un Ghanassi de Gand était bien. Après, juste à la fin, on a eu des petites complications entre moi et le club. Mais voilà, moi je vais retrouver le Ghanassi que Gand a connu à l'époque, et je vais quand même dire que je vais être encore mieux à Ostend parce que je sais qu'Ostend me fait confiance, et je vais surtout rendre la monnaie de la pièce à Ostend de m'avoir donné cette chance. Ok Yacine, on te souhaite bonne chance en stand. Merci.